Le début du XIIIe siècle fut une époque agitée. L'empereur était en conflit avec le pape, le prince avec le roi et le bourgeois avec le noble. C'est alors qu'apparut un homme qui apportait un message d'amour et de paix qui survit encore dans le cœur des hommes. Cet homme, c'était François Bernardone d'Assise. Décret de sa sainteté Innocent III, la ville d'Assise réunira tous les hommes et tous les moyens de guerre pour la libération de la Sicile, pour le roi Frédéric. Tous les hommes valides sont appelés à s'enrôler sous la bannière du duc Guillaume de Brunel. Claire, éloigne-toi. Ce n'est pas convenable de se pencher aux fenêtres. Ne te montre pas à ce rôdeur de nuit. C'est une surprise de le voir avant la nuit tombée. Père, tu as entendu, n'est-ce pas? Oui, comme tout le monde. Voilà enfin l'occasion que j'attendais. Et pour une fois, tu as la chaude approbation de ton père. Bonjour, mère. As-tu décidé de partir? Et tu savais que si l'occasion passait sur mon chemin, je la saisirais. Mais ne crains rien, ma mère. J'y gagnerai gloire et honneur, je te l'assure. Honneur? Où trouve-t-on de l'honneur dans une guerre? Ne sois pas stupide, ce garçon deviendra quelqu'un. Il pourrait être fécond, peut-être même duc. Tu sais que j'ai nourri d'autres espoirs pour lui. Je veux qu'il devienne un enfant de Dieu. Ne peut-il être à la fois comte et enfant de Dieu? Sois raisonnable, femme. Tâche de comprendre, mère. Il faudra qu'un jour ou l'autre, je quitte la maison. Quoi qu'il en soit, tu sais que tu as la permission et ma bénédiction, mon fils. Bonjour, messire. Êtes-vous Pietro Bernardone? C'est moi-même. Puis-je vous aider? Je l'espère. Je suis le comte Paolo de Vandrea. Oh, très honoré. Entrez, entrez. Excusez-moi. Je vous en prie. Merci. Je fais route depuis Florence pour reconquérir mes terres de Sicile. Et je me vois dans la nécessité de prendre certaines dispositions. Quand je vins pour la première fois à Assise, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas homme à refuser un prêt d'argent. J'ai besoin d'une certaine somme. Mais je suis drapier et non prêteur sur gage. Je possède un château et des terres en Sicile. Voici mes titres de propriété. Il me faut quelque argent pour acheter un cheval et des armes afin que je puisse reconquérir ce qui m'appartient. Prêter de l'argent gagé sur votre château spolié ne serait pas un prêt, mais de la charité. Les temps sont difficiles. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas faire affaire. Oh, je m'aperçois que je me suis trompé. J'ai cru comprendre que vous étiez un homme fortuné et de quelques qualités, mais je vois que j'ai eu tort. Tant pis, je m'adresserai ailleurs. Excellence, je n'ai pu m'empêcher d'entendre ce que vous demandiez à mon père. Voici mon fils, François. Il est d'autres moyens pour un chevalier de gagner des armes. Pas qui correspondent à quelques codes d'honneur que vous et votre drapier de père puissiez comprendre. Je suis messire au fait de tous les codes d'honneur de la chevalerie, mais ceci est une chose plus simple. Assise va envoyer une armée en Sicile. Si vous vouliez vous y enrôler, vous auriez cheval, armes et le reste demain ou plus tard. Mon fils va s'enrôler chez le duc de Brienne. Vraiment? J'offrirai une bouteille pour boire à ses victoires, mais... Mais j'ai dépensé mon dernier florin hier. Oh, alors vous devez avoir faim. Messire, à quel combat avez-vous participé? À maints combats et en maints endroits. Il y a 3 ans à Pérouse et pour le salut de cette ville. En ce cas, Assise sera heureuse de vous accueillir. Joignez-vous à nous. Si la guerre est votre fête, vous pourrez m'enseigner le métier des armes. Mon père y consent. Pas que cette bonhomme. Une aumône au nom de Dieu. Une aumône. Oh, encore toi. Dehors. Oh, père, c'est un mendiant. S'il pouvait faire à sa tête, les mendiants d'Assise seraient tous riches. Va, sors de ma boutique, va-t'en. Ces mendiants sont pires que des mouches. Alors, Excellence, qu'avez-vous décidé? Eh bien,
Si votre fils se bat aussi bien qu'il parle, il pourra m'être précieux pour reprendre mes terres. Ainsi, vous l'accompagnez. Magnifique. Ceci appelle à boire et à manger. Maman, nous allons souper. Eh bien, on dirait que j'ai trouvé un nouveau compagnon d'armes. Oui, oui, il semble que oui. Vous agissez en fils de noble et non en fils de marchand. Bon, cette expédition, quand se met-elle en route? Demain dans la matinée. Mais pour l'instant, venez souper. Par ici. Maman? Qu'y a-t-il, Paolo? Tu manques de cran? Vas-y donc. Oh! C'est manqué. Entre les doigts, mais ça ne saigne pas. Je vais te redonner une chance. Oh, François, ne le laisse pas faire ça. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, par toi, en tous les cas. Je croyais que tu avais appris ce tour chez les Sarrasins. J'espère qu'il n'y a pas trop de Sarrasins à quatre doigts. Oh, je ne veux pas voir ça. Ah, tu n'as qu'à ne pas regarder. Lance! Tu as perdu. Mais je tiendrai ma promesse. Tu as eu du courage. Elle est à toi. Mais François, mais je ne veux pas te quitter. L'honneur, Lucia. Il faut te déshonorer pour honorer ma promesse. Crois-tu que c'est encore possible? Oh, vous êtes fous, tous les deux. Ta main, elle est pleine de sang. Je n'ai qu'une égratignure, ne dramatise pas. Laisse-moi faire, tu veux. François, toi de lancer les dés. Je veux bien si vous doublez les mises. Doubler? D'accord, vas-y. Je dois battre 6. Très bien. Je parie 20 florins. Allons, buvons. Prends, tout est à toi. Allons-nous-en d'ici. Qui est-il, François? Faisons quelque chose de plus amusant. Je m'en vais. Tu ne viens pas, Paolo? Quoi? Que j'abandonne mes gains? Je veux boire. Ah, buvons à la victoire de l'amour. Pâques, cet bonhomme. Paix et que Dieu soit avec toi. Ça fait la deuxième fois. Pourquoi m'as-tu suivi? Je veux un don venant de toi. Je ne veux pas de ton argent. Mais alors, mais que veux-tu? Un don venant de ton cœur. De l'amour pour qui n'a pas d'amour. La paix pour qui n'a pas de paix. Pâques, cet bonhomme. Mon ami, nous devons changer d'armure, toi et moi. Tiens, prends la mienne. Je ne l'ai pas encore gagnée. Quoi? Tu es chevalier, comte de Vandria. Moi, je n'ai que l'espoir de le devenir. Mais que signifie? Je t'en prie, accepte-la comme un cadeau d'assises. Mais ton armure a une grande valeur. Si elle n'en avait pas, je ne te l'offrirais pas. Ou tu dois être fou, Bernardone, ou plus noble que la noblesse même. Laisse-moi t'aider. La ville pourra peut-être dormir cette nuit maintenant que votre François est parti. Je sais. Je vous prie d'excuser sa conduite, monsieur le chanoine. Oh, je ne doute pas que vous ayez fait votre possible, Donna Picard, mais Pietro le garde trop en le comblant de pièces d'or. Laissez-lui le temps, il changera, vous verrez. Pourquoi donc changerait-il? Ce monde est rude. Un homme qui manque de caractère quand il est jeune n'en aura jamais. Ah, le voilà. Mais qu'est-ce que ceci? Ce n'est pas l'armure que je lui ai offerte. Bien. La demoiselle s'appelle Claire de Favarone. Que Dieu m'entende, François, et te ramène chez toi sain et sauf.
Puis-je te présenter mon compagnon d'armes, Paolo de Vandria, Claire de Favarone. Nous nous sommes rencontrés dans un cachot. À Florence? Dans un cachot? C'est vrai, tante Buonard. Avec les sœurs de la miséricorde, j'ai porté à manger aux prisonniers. Vous apportiez beaucoup plus. J'espère revenir de la guerre pour pouvoir vous remercier comme il convient. Cela nous ferait honneur. Je serai rassurée en sachant que vous veillez sur François, car il est souvent si téméraire et ne connaît rien des batailles. C'est la grande occasion de ta vie, François. Ne la gaspille pas. Oui, père. Je serai à ses côtés. Vous prierez pour que Dieu aussi soit à ses côtés. François Bernardin. François, tu te laisses dépasser, viens. Tu es malade? Non, je ne pense pas. Tu n'as rien entendu? Quoi? Non, je n'ai rien entendu de particulier. Ne commence pas à rêver de bataille avant d'en livrer une. Nous avons encore un long chemin à faire. Te sera dit ce que tu dois faire. François. François Bernardin. Qui est là? François. Mon fils, que t'est-il arrivé? La guerre est perdue? Ils sont tous de retour? Non, moi seulement. Nous avons 1000 ennemis en fuite. Mais... As-tu été blessé? Non. François, tu n'as pas déserté? Si, j'ai déserté. Mais pas seulement cette bataille.
un déserteur. François! Oh, Dieu soit loué, te voilà. Il n'est pas blessé? Blessé? J'aimerais mieux le voir mort. Pourquoi? Mon fils, pourquoi? Qu'y a-t-il? Dis-lui pourquoi, dis-moi pourquoi. Pourquoi es-tu revenu? Mais je n'avais pas le choix. J'ai entendu une voix. Une voix qui me disait... La voix qu'entendent tous les couards et qui leur dit fuis. Qu'était cette voix, François? Et où? Près de la rivière, sur le pont. J'ai cru alors que c'était la voix de Dieu, mère. Il est fou. Il est comblé, il a toujours été comblé. Oui, il est comblé d'argent, de beaux habits. Et il jouit de toutes les libertés qui soient, mais il a la pire de toutes les malédictions, la lâcheté. Dieu lui a fait la grâce d'avoir cette angoisse et tu te moques de lui. Et je ne serai pas le seul. Oui, tes voix, tu en entendras, les voix furieuses de tous les habitants de cette ville. Mais je te dis, je n'ai pas eu peur. J'ai entendu une voix. Ne provoque pas ton père, François, je t'en supplie. Mais ma mère, je ne suis pas fou ni malade, c'est vrai. Et il me sera dit ce que je dois faire, à quoi je suis appelé. Non, Pietro. Silence. Vite, par ici. Ouvrez. François Bernardone, je vous arrête pour désertion. Soyez le bienvenu à Assise. C'est une joie de vous recevoir à nouveau chez nous. Mon séjour sera forcément bref, messire. Nous avons subi de lourdes pertes. Je dois recruter des combattants et repartir. Tu seras de mon avis. C'est le plus bel homme que j'ai jamais vu. Soyez le bienvenu, comte de Vandria. Je m'étais fait le vœu, si je survivais, de revenir. J'accepte cet hommage, car on dit que vous avez combattu si témérairement que c'est miracle d'avoir survécu. Je dirais plutôt que j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, j'avais cette armure. C'était un don de François Bernardone. On ne prononce plus son nom ici. Une telle lâcheté n'apporte que honte à notre ville. Ce n'était pas simplement un acte de lâcheté. Quand nous avons affronté l'ennemi, il s'est bravement battu jusqu'à ce... Jusqu'à ce qu'il déserte, et pourquoi? J'aimerais le savoir. Parce qu'il préfère de beaucoup les plaisirs de la vie au courage viril. Mon père est un homme dur et impitoyable quand il s'agit de François. Il est bien connu que je n'ai jamais aimé le fils Bernardone. Et il ne me plaît pas que tu ailles le visiter dans cet antre de démons. Peut-être le comte de Vandria ne serait-il pas ici, si je ne l'avais également visité dans un antre tout aussi plein de démons. Et ce que tu appelles lâcheté chez François, je sais que c'est le courage de sa conviction. Excuse-moi, mon père. Puis-je faire visiter la maison au comte Paolo? Bien sûr, mon enfant, bien sûr. Quel merveilleux couple ils feraient. Et je compte bien qu'ils le feront. J'ai toujours le fanion que vous m'aviez donné le jour où nous avons quitté la ville. Je crois que lui aussi m'a protégé. Il m'a assurément donné du courage. Je suis heureuse pour vous que vous ayez gagné tant d'honneur. Croyez que pour vous, je serais prêt à tout tenter. Permettez-moi alors de solliciter une faveur. Demandez. Si j'ai gagné tant d'honneur aux yeux des hommes, j'aimerais aussi les mériter aux vôtres. Depuis près de 3 mois, François Bernardone supporte son emprisonnement aussi noblement que vous supportez les honneurs. C'est fort possible. Vous savez que je vous admire et que je vous respecte, mais je ne vous estimerais que davantage si vous aviez une vertu de plus. De quelle vertu s'agit-il? La pitié. On m'a informé qu'en tant que commandeur, vous détenez maintenant le pouvoir royal du pardon pour tous les prisonniers. Pour un déserteur? Pour la grâce qui est en vous d'être miséricordieux. Le comte de Vandria. De par le pouvoir que m'a dévolu le roi Frédéric, j'accorde la clémence à tous les prisonniers. Ceux qui désirent s'enrôler dans ces nouvelles armées seront payés pour la durée de leur séjour dans leur cachot. Qu'ils se présentent à la salle d'armes.
ces moments. La fièvre est passée. Maintenant, il te faut retrouver tes forces. Même le médecin a pensé que je mourrais, n'est-ce pas? Et mon père aussi. Ils se trompaient tous les deux. Que Dieu en soit loué. Ton père t'a commandé des vêtements neufs. Je les ai mis là. Pour que tu reprennes courage en rêvant au jour où tu sortiras en les portant. Je me suis trompé. J'ai été trop sévère avec lui. Je m'en rends compte maintenant. Mais c'était uniquement parce qu'il m'est si cher. Pardon, qu'il nous est si cher. Maintenant, il faut oublier et amener les autres à oublier son erreur. Nous nous trompons tous. Quel somptueux festin, Bernardone. Je ne regarde pas à la dépense. Je vois avec joie que vous savez dépenser votre argent. Je crains de ne pas très bien comprendre. Ça vous permet d'obtenir le retour en grâce de votre fils. Vous avez raison de pardonner. De plus, on dit qu'il redevient raisonnable depuis sa grave maladie. Voyez-vous-même. François, tu n'as pas l'air très heureux. Je suis heureux tant que j'ai la joie de danser avec toi. Pardonne-moi, Claire, je n'ai pas été un bien gai compagnon. Tiens, François, viens boire une coupe avec moi. Non, père, je te remercie. François, il faut que je sache ce qui te trouble ou je ne connaîtrai pas la paix. Pax et bonum. Je suis troublé par le vide, l'artificiel de tout ceci. Mais tu avais tellement de joie de vivre. Je l'ai maintenant avec toi. Mais je crois qu'il doit y avoir beaucoup plus que cela. Il me reste à savoir quoi. Je dois le savoir. Il le faut. Oui, je comprends. J'ai presque peur de comprendre, mais je comprends quand même. Je t'en prie, François, cherche la paix sans perdre ta joie, car c'est une partie de toi-même. Souris maintenant. Souris pour faire plaisir à tes invités. Car cette fête est coûteuse et tu peux bien remercier ton père avec un sourire. Donna Claire. Paolo. Je suis content que tu sois venu. Je tenais à te remercier d'avoir obtenu ma libération. Donna Claire, vous m'avez promis cette danse. Excusez-moi. Ce n'est pas vraiment moi qui t'ai fait sortir de prison. Non, non, je sais, c'était Claire. Mais pourtant, je te remercie pour ton geste. Est-ce que tu l'aimes? Je l'aime depuis toujours. Mais je ne suis plus le rival d'aucun homme. Je n'arrive à comprendre ni tes propos, ni tes actes. Tu n'es pas le seul. Ce premier jour, dans la boutique de ton père, j'avais senti naître une amitié. Et par la suite, quand nous avons affronté l'ennemi, j'ai su que j'avais trouvé un compagnon d'armes. Cela était vrai pour moi aussi. Tu parles comme un homme qui se trouve sur le gibet et attend que la trappe s'ouvre. J'attends, c'est vrai, mais pas la mort. Qu'attends-tu? D'autres voix? Une seule voix. Une voix qui m'a promis qu'il me sera dit ce que je dois faire. Mais il n'y a eu que le silence, un silence torturant. François, oublie ces rêves morbides. Il y a les germes de la grandeur en toi. Même moi, je n'y suis pas aveugle. Mais où est la grandeur dans la misère? Sois patient avec moi. Tu as dit quelque chose? Quoi? Où est allé François? Il n'en a rien dit. Même s'il l'avait dit, il est probable que je ne l'aurais pas compris. Quand nous dansions, je croyais danser avec un fantôme. Il n'a le droit de s'en inquiéter, pas même moi. Il vit dans un autre monde. Mais vous et votre père, vous vivez dans le même. Je pense donc que nous devrions partir. Non, Paolo. Ne me ramenez pas chez moi. Parlez-moi de n'importe quoi. Mais ne me ramenez pas chez moi. Je vais vous conter une histoire. Peut-être est-il trop tôt pour vous la conter, mais le temps m'est mesuré. Est-ce une très vieille histoire? En quelque sorte.
Il y avait une fois un chevalier errant qui arriva dans une ville lointaine nommée Assise. Deux faims le tenaillaient, faim de se nourrir et faim de se venger. Et à son départ, il avait deux grands espoirs. Celui d'avoir trouvé un nouveau compagnon d'armes et celui d'avoir gagné la faveur de... Mais là, je ne peux plus continuer mon histoire. Parce que je crains que la dame en question se moque de moi. Je ne me moque pas de vous, Paolo. Non, Paolo, je vous en prie. Ce n'était pas un baiser de fantôme. Est-ce que vous aimez François? Soyez franche avec moi. Je n'aime pas de l'amour que vous avez pour moi. Mon Dieu, c'est de l'amour. Paolo, Paolo, ramenez-moi chez moi. Il est de retour. Tiens, bonjour, mon fils. Je dois aller à Rieti, on va me montrer un lot de toile. Je pense revenir dans moins d'une semaine. Tu es encore malade? Non, non, ma mère. Il faut que je te dise quelque chose. Je crois savoir de quoi il s'agit. Tu es enfin vraiment amoureux. Il n'y a aucun mal à ça, mon fils. Alors raconte maintenant, qui est-ce? Il n'y a personne, mon père. Tu es trop bon pour moi et c'est pour cette raison qu'il m'est pénible de te décevoir, mais vois-tu... Je ne pourrais jamais être marchand. Quand j'étais jeune, François, j'ai eu des moments où mon esprit se troublait aussi. Des moments d'égarement. Oh oui. Mais j'ai appris plus tard qu'il fallait faire son chemin avec ceci. Si tu as ceci, alors tôt ou tard, le monde entier viendra jusqu'à ta porte. Tu auras tous les plaisirs que l'argent peut t'apporter et que je n'avais pas quand j'étais jeune et libre. Pietro, il ne s'agit pas du tout d'argent. Il est sûr que la voie est la voie de Dieu. Peste soit de ton mysticisme, prendras-tu parti pour moi un jour? Écoute, mon fils, quand tu as voulu partir de par le monde pour te battre, je t'ai soutenu. Soutiens-moi à ton tour pour une fois. Donne-moi la chance de te sauver. Autrement, tu es perdu. Ne me laisse pas rester là, à ne rien faire, impuissant, malheureux, à te regarder te brûler dans les flammes de la superstition. Mon fils, cela pourrait t'amener la folie. Fais-moi confiance. Tu deviendras marchand. Oui, un bon marchand. Pourquoi pas? À dans 8 jours. Pardonne-moi, ma mère. Tu illumines notre maison, mon fils, mais le monde a besoin de toi. Va ton chemin. Béni sois-tu, mon fils. Je vous en supplie, Seigneur, que je vous entende. Donnez-moi la vraie foi, le fervent espoir. Indiquez-moi votre voie. Quelle sera ma mission, mon Dieu? Ne vois-tu pas, mon fils, que l'Église s'effondre? Reconstruis ma maison. Qui me donne des pierres? François. L'oratoire de Saint-Damien a besoin de pierres. Tiens. Prends celle-ci. Merci. Merci. Donnez-moi des pierres pour la maison de Dieu.
Des pierres. Des pierres pour la maison de Dieu. Que signifie tout ce bruit? C'est votre vieil ami François. Il doit être devenu fou. Sa folie est en train d'opérer des miracles à l'église de Saint-Damien. Vous y êtes allé? Mes fonctions me font aller un peu partout. Il faut que je sache ce qui se passe pour tenir Monseigneur au courant. Oui, le mur de l'église est presque achevé. Ah? C'est de l'argent ou des vivres qu'il devrait mendier. Il faut des pierres pour une église. Des pierres, donnez-moi des pierres. Attends, François, François. Merci. Ça semble contagieux. D'autres viennent pour lui prêter main forte. Un cordonnier, un paysan, un tailleur. Il pourrait nous apprendre la façon de mettre notre idéal en pratique. Nous avons tendance à prendre notre héritage spirituel pour un bien mérité. Sûrement pas vous, chanoine. Il a besoin d'être ravalé de temps en temps. Mais peut-on voir ce garçon sans être troublé? Ce petit homme est mu par quelque chose de très grand. François, avez-vous de la place pour un autre pan de mur? J'espère échanger cette cargaison de pierres contre quelques vieux péchés. On ne peut pas acheter la grâce du Seigneur, Bernard, mais moi je vous en serai certes toujours reconnaissant. Prenez garde, vous salissez vos vêtements. Oh, qu'importe mes vêtements. Si vous voulez venir par ici, je vous prie. Par ici. Bernard de Quintaval? Comment pouvez-vous, vous, un des hommes les plus riches et les plus respectés d'Assise, soutenir cette folie? Mon soutien se limite à fournir ces pierres, du mortier et quelques clous. Ça ne m'appauvrira guère. Et pourtant, hier soir, quand je vous ai demandé votre contribution au trésor du roi, vous avez refusé. Parce que je trouve plus de vertu dans le renoncement de François aux richesses que dans la cupidité de votre roi. François! Je suis venu te dire adieu. Merci, Paolo. J'espère que ce mortier renforcera ma main. Excuse-moi, on les salit à remuer les pierres. C'est un travail de manant. Tu gaspilles ta vie, François. Notre Seigneur m'a ordonné de rebâtir son église. Peut-être l'a-t-il dit, mais pas avec des pierres, avec des armes, comme on t'a appris à le faire. Comment sais-tu si notre Seigneur ne voulait pas que tu prennes ton épée, ton armure, et que tu ailles de l'avant combattre ses ennemis? S'il avait voulu que je répande le sang, il me l'aurait fait savoir. Ne nous disons pas adieu dans la colère. Quand tu prieras ton Dieu, demande-lui sa bénédiction. Car à mon tour, je vais épouser Donna Claire. Elle a accepté? J'ai le consentement de son père. Et celui de Claire? Oh, cela viendra en son temps. Maintenant, François, en mon absence, tu peux me rendre un service. Depuis que tu n'es plus le rival d'aucun homme. Oui. Tu sais ce qu'a été ma vie de soldat. Mais Claire a changé tout ça. Tu le croiras peut-être pas, mais je l'aime très tendrement. Parle-lui. Dis-lui que j'ai changé. Nous avons déjà parlé de toi, Paolo. Oh. Elle t'admire, elle te respecte, mais tu ne peux que te faire du mal si tu comptes l'épouser. Elle n'est pas destinée à être la dame qui orne quelque château. Oui, mieux vaut qu'elle traîne dans le ruisseau avec un mendiant. Non, elle est consacrée à Dieu, elle me l'a dit. Et c'est toi qui lui as suggéré. Pendant toutes ces années, tu as tournoyé autour d'elle comme une ombre noire sur sa vie. Bien sûr, vous avez parlé de moi. Toi, avec tes saints mensonges et tes saintes voix, une écœurante obsession de pauvreté. Que lui as-tu dit, hein? De rejeter l'amour d'un homme parce qu'elle pourrait y trouver le bonheur? Je lui refuserai le droit à aucun bonheur. Mais il appartient à Dieu de lui montrer sa voie, non à toi. Fanatique hypocrite! Tu me dégoûtes! Sans vous, nous étions à court de matériaux, Bernard. Ça ne manque pas. Vous pourrez en avoir autant qu'il vous faudra. Vous n'avez qu'à demander. Je ne demande rien, mais notre Seigneur vous demande votre cœur. Je suis un des vôtres. Eh bien, mes frères, grâce à vos bras et à vos cœurs, cette église sera bientôt achevée. Et que ferons-nous ensuite?
Nous patientons, cela nous sera dit. Frère François, ne faudrait-il pas que nous songions à ce que sera notre règle? Demandons à Dieu d'être notre guide. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Et puis suis-moi. Ne prends rien pour ton voyage, ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ces trois versets seront notre guide. Ils seront notre vie et notre règle, mes frères, à la gloire de Dieu. Amen. 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 François, nous sommes venus nous joindre à vous. Mon nom est Genièvre. Vous venez à deux? Vous êtes fort bienvenue, Genièvre. Oui, fort bienvenue. Mais ne croyez-vous pas que notre frère Agneau serait plus heureux auprès de sa mère? Au revoir. Au revoir. Genièvre, je vous présente vos frères. Voici Bernard, qui fut jadis un riche marchand. Sabatino, le cordonnier, et Gilles qui a quitté sa ferme, Vigilantio, le savetier, et Philippe, un étudiant, Jean et Tancred, tous deux jadis chevaliers adoubés, Sylvestre, chanoine de l'église de Saint-Ruffin, et Morico, de noble famille. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. Bonjour, chanoine. Il faut que je vous parle. Vous semblez troublé, chanoine. Oui, je suis troublé. Mon cœur est attiré vers vous, mais... François, je viens de parler à Monseigneur l'évêque. Il est troublé aussi. Est-ce que vous cherchez à établir un ordre religieux ici, avec votre poignée de rêveurs? Mes frères, ceci nous concerne tous. Il est exact que nous ne sommes que 11, pour le moment. Mais bientôt, prions Dieu, nous serons bien plus nombreux. Bon, le nombre importe peu, mais ignorez-vous que la loi de l'Église interdit formellement d'établir tout nouvel ordre religieux? À moins, bien sûr, que vous ayez la permission du pape. Ah. Eh bien, dans ce cas, nous irons voir le pape. Oui, nous irons à Rome, s'il faut sa permission, nous irons la lui demander. Est-ce que vous croyez que le Saint-Père refuserait de s'intéresser à un ordre ne comportant que 11 membres? En ce moment, mon frère, j'ai l'impression que votre ordre en comporte peut-être 12. Si vous voulez bien de moi. Bonjour. Tu te plains par une belle matinée pareille? Pourquoi? Tu as des ailes pour voler dans le ciel, un bec pour te nourrir et pour boire, des arbres pour faire ton nid, et même une voix pour chanter. Chante ton amour au Créateur et remercie-le de ses bienfaits. Il nous indique le chemin de Rome. Hein? Attendez-moi ici, mes frères, jusqu'à ce que j'aie parlé au Saint-Père et priez pour que je réussisse. Regardez. Un
ça semble impossible, François. Il faut une permission spéciale pour entrer. Ayez la foi, frère Katanay. Comment savoir ce qui est impossible avant d'avoir essayé? Nous allons prier, mes frères. Excusez-moi, je suis à la recherche de sa sainteté. Comment êtes-vous entré? Qui êtes-vous? 11 frères et moi-même, nous venons d'Assise pour soumettre au Saint-Père notre règle, mais nous ignorons la procédure. Un nouvel ordre? Voilà qui est très inhabituel. Et pour le moment, c'est hors de question. Mais si vous vouliez me conduire auprès du Saint-Père, je sais qu'il écouterait ce que j'ai à dire. Je ne demanderai pas mieux. Mais le Saint-Père est préoccupé par les problèmes les plus graves. Avec l'Église menacée de tous côtés, comment trouverait-il le temps de discuter des vœux de 11 moines? 12, Éminence. Votre laissez-passer. Avez-vous un sauf-conduit? Non, non, je n'en ai point. Je connais ce visage. Que désirait-il? Votre approbation pour sa règle. Un nouvel ordre. Sachant que vous n'approuveriez pas, je l'ai renvoyé. J'ai vu son visage quelque part. Attendez, mon fils! Revenez! Êtes-vous sûr que je ne vous ai pas vu auparavant? J'en suis sûr, très Saint-Père. Parlez-nous de votre ordre. Nous sommes 12 qui venons d'Assise. Ce que nous sollicitons par cette simple règle, c'est la permission de mener notre vie dans l'humilité, conformément aux évangiles. Oui, nous avons lu et discuté votre règle. Et nous avons décidé que la vie que vous et vos frères entendez mener est trop austère, ambitieusement austère. Il faut que vous compreniez, François, que votre dévotion n'est pas en cause. Mais quand on établit un ordre, il faut également songer à ceux qui viendront ensuite. Il est possible qu'ils ne possèdent pas votre force d'âme. En fait, il y a peu de chances pour qu'ils la possèdent. Votre stricte adhésion à la pauvreté absolue est une utopie. Pour maintenir un ordre, il faut avoir des biens immobiliers. Vous ne les possédez pas. Mais c'est Dieu qui veut que je n'aie rien. Quand on possède des biens, il faut des armes pour les défendre. Non, les biens font naître les conflits. L'Église ne peut sanctionner des extrémités de cette sorte. Peut-être qu'en assouplissant un peu votre règle. Très Saint-Père, notre Seigneur a vécu dans ses extrémités et c'est cela même qu'il réclame de moi. Comment puis-je marchander avec ma conviction? Nous devons tous faire des concessions, François. En ce monde, nous devons être raisonnables ou bien nous échouons. Je ne puis braver la volonté de Dieu. Mais vous osez braver ce conseil. Et moi? Je n'ai pas le choix. En ce cas, mon fils, votre requête est repoussée. Mais tout ce que nous demandons, c'est la permission de mener notre vie conformément aux évangiles. Ce n'est pas moi qui demande à ce que nous vivions ainsi. C'est établi sur la parole de Dieu. Votre sainteté, vos éminences, si nous nous proclamons que vivre ainsi est impossible, nous déclarons que les évangiles ne peuvent être appliqués. Et ainsi nous nous rendons coupables de blasphème. Je vous ai déjà vu, mais dans un rêve. Dans un rêve où notre bien-aimé basilique s'effondrait en ruine, quand un petit moine est apparu par hasard, il était vêtu comme vous, et de ses mains élevées ainsi, il soutint l'édifice.
Au fond de mon âme, je m'en réjouissais, puis je m'éveillais. Cela pourrait être. Une voix m'avait dit de rebâtir la maison du Seigneur. J'ai cru devoir travailler les pierres et le mortier, mais peut-être m'étais-je trompé. Peut-être bien. Mais il faut plus que des pierres et des bâtisses pour briller. Ni les hérétiques en France, ni l'empereur ne seront arrêtés par les briques et le mortier. La chrétienté ne s'effondrera pas. Je crois à mon rêve. Et je crois au vôtre aussi. Mais il ne faut pas que vous pensiez que les hommes puissent être soudain rendus parfaits par une règle. Oh non, nous sommes tous très imparfaits, de bien pauvres hommes. Mais nous sommes venus à Rome à pied et nous ne voudrions pas revenir plus pauvres chez nous. Ainsi, ils sont là? Vous êtes tous venus? Oui. En ce cas, j'aimerais les voir. Voici mes compagnons, mes frères, votre sainteté. Êtes-vous certain que Dieu et les hommes continueront à vous aider? En êtes-vous certain? J'ai foi en notre Seigneur. Alors allez, François, votre requête est admise. Et puisse votre piété et celle de vos disciples renforcer toute l'Église. Et quand le Seigneur aura accru le nombre de votre troupeau, revenez me voir, et je vous confierai de plus grandes tâches. Et que votre ordre soit un exemple pour chacun de nous. Tenez, François, c'est tout ce que je peux vous offrir. Oh non, non, gardez-les pour vous. Merci, merci. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Qu'il vous montre sa face et qu'il vous soit miséricordieux. Qu'il tourne son visage vers vous, vous donne la paix. Tiens. Tu as été très généreuse de nous laisser couper les branches de tes arbres. Tu as travaillé plus dur qu'aucun des frères. Je suis devenue jalouse de tes frères qui t'ont aidé à restaurer Saint-Damien, Saint-Ange, Saint-Pierre. Si la confrérie continue à s'accroître ainsi, vous restaurerez toutes les églises d'Italie. Tu as assurément prouvé à tout le monde que Dieu est à tes côtés. Et toi, t'as-je amené à mes côtés? J'y suis depuis toujours. Il me tarde de t'écouter le dimanche des rameaux. Merci. Et remercie ton père pour ses rameaux d'olivier aussi. Et au revoir, François. Au revoir, Claire. Très bien, nous sommes prêts. Jusqu'ici, nous étions comme des alouettes qui seraient toutes dans le même champ. Mais bientôt, frère, vous partirez pour des pays lointains. Vous, Zacharie, pour l'Espagne. Jean, pour la Germanie. Et Otto ira porter notre amour chez les morts. Mon père, m'accorderez-vous la permission d'accompagner Jean? Je sais dire ja. Ça veut dire oui en allemand. Et je dis non, car vous êtes plus utile comme alouette parmi nous. Paolo, vous n'auriez pas dû. C'est un gage de mon admiration. Vous me rendez très difficile les remerciements. Quelle difficulté y a-t-il à me dire merci? Claire, pourquoi vous ai-je vu seulement 3 fois en ces 2 semaines et jamais seule? Parfois, il est mieux de rester éloigné que d'entendre ce qui fait de la peine. Je vous idolâtre. Pourquoi vous ferais-je de la peine? Quand vous insultez François et en dites du mal, cela me fait de la peine. Trouvez-vous franchement que ce soit si merveilleux et si élevé de distribuer tous les biens que l'on possède aux pauvres? Le trouvez-vous? Pouvez-vous imaginer notre Seigneur Jésus-Christ vivant comme un homme riche sur la terre? Malgré tout le respect que j'ai pour sa sainteté, pour moi, François n'est pas le Christ sur terre. Je serai en retard pour la prière. Je regrette d'avoir dit cela. Puis-je vous escorter? Votre compagnie manquerait à mon père. Votre père m'a donné la permission de vous escorter jusqu'à l'église. Haïr l'amour, c'est haïr la vie, et vos yeux démentent cette haine. Je vous en prie, Paolo, je vous en prie, laissez-moi réfléchir. Nous n'en avons pas le temps. Je pars pour la croisade et qui sait quand j'en reviendrai, si j'en reviens.
Je prierai pour votre retour. Laissez prier les prêtres. Vous pouvez faire bien mieux que cela. Vous pouvez, si vous le voulez, faire disparaître sur terre tout obstacle qui m'empêcherait de revenir à vous. Paolo, ne comprenez-vous pas qu'il n'est rien de terrestre qui m'éloigne de vous? Ne dites pas cela, ne parlez pas ainsi. Ce n'est pas vous, c'est François qui parle par votre bouche. C'est une démence. Il veut vous changer, moi, pas. Je vous veux tel que vous êtes parce que je vous aime. C'est vous que j'aime, Claire. Lorsqu'on demande l'amour, on doit avoir foi en l'amour. Je n'ai pas été appelé pour prêcher, mais pour agir. Alors laissez le rameau d'olivier prêcher la paix pour moi. C'est de loin le meilleur prédicateur. Seigneur, donnez-moi la voix de votre peuple en prière. Seigneur, faites de moi l'instrument de votre paix. Là où règne la haine, que je sème l'amour. Là où règne l'offense, le pardon. Là où règne le doute, la foi. Là où règne le désespoir, l'espoir. Là où règne les ténèbres, la lumière. Et là où règne l'affliction, la joie. Ô divin maître, accordez-moi la grâce d'attacher moins d'importance à être consolé qu'à consoler. À me faire comprendre qu'à comprendre autrui. À me faire aimer qu'à aimer. Car c'est en donnant que nous recevons, c'est en pardonnant que nous sommes pardonnés. Et c'est en mourant que nous nous éveillons à la vie éternelle. Louons le Seigneur. De besoin, Seigneur. Dites-moi votre volonté. Acceptez mon humble sacrifice. Aidez-moi dans ma décision d'être votre servante, Seigneur. Sais-tu bien ce que tu demandes? Par ton exemple, j'ai été appelée. Depuis longtemps, j'aspirais à trouver à quoi consacrer ma vive dévotion. L'amour terrestre m'apparaissait plein de brume, avant de voir ton amour de tout ce qui vit et de toute créature de Dieu. Je veux me vouer entièrement à cet amour. Sais-tu ce que cela suppose? Peux-tu suivre la voie de l'humilité et de la pauvreté? Le peux-tu, Claire? Mon chemin sera semé de ronces. Où est Claire? Elle s'est retirée il y a un moment. Elle devrait être près de ses invités. Elle ne montre jamais un tel manque de courtoisie. Elle passe presque tout son temps à prier maintenant, n'est-ce pas? Oh, toutes les jeunes âmes sensibles passent par cette période. Non, Claire n'a absolument rien de grave qu'un mariage heureux ne puisse guérir. Nous appareillons à Venise dans 8 jours. J'espère que le contrat de mariage ne sera pas retardé. Il est déjà établi. Je vais prier tante Biona d'aller chercher ma fille pendant que nous parlons de la dot. Mon père me tuera quand il l'apprendra. Personne ne te fera de mal.
Y a-t-il le moindre doute dans ton cœur? Pas le moindre. J'ai demandé à la mère supérieure des bénédictines de t'aider à prononcer tes vœux. Tante Buona, va dire à mon père ma décision. Que le bon Dieu m'aide. Que demandes-tu? Je demande à être admise comme épouse du Seigneur dans la vie monastique. Seras-tu capable d'observer la règle et le mode d'existence qu'elle exige? Et de faire les trois vœux d'obédience, de pauvreté et de chasteté? Avec l'aide de Dieu, je l'espère. Répétez après moi, je renonce au monde et à toutes ses vanités. Je renonce au monde et à toutes ses vanités. Je suis votre fille, ô Seigneur. Je prie d'être digne de vos commandements. Je vous offre, ô Seigneur, ma renonciation. Effacez de moi toute trace de vanité. J'avais une voix. Je ne l'aurai plus désormais que pour la prière. J'avais un cœur. Je ne l'aurai désormais que pour le consacrer à vos enseignements. Où est ma fille? Vous n'avez aucun droit ici. C'est la maison de Dieu. Claire, où es-tu? Qu'est-ce ci? Que faites-vous? Claire, venez avec moi. Non, Paolo. Je ne puis aller avec vous, pas plus qu'avec mon père. Claire. Ce n'est pas un triomphe pour toi, c'est une tragédie pour elle. Ce n'est pas mon triomphe, Paolo. Maudit sois-tu. Maudit soit tous tes saints. Tu ne sais pas ce que tu fais. Regardez, François, ils sont là, les enfants sont là. Bonjour. Bonjour, Père François. Bonjour, Père François. Tiens, bonjour, mon frère Vaux. Bonjour. Bonjour, ma sœur Truie. Bonjour, mon frère Canard. Vous alliez être en retard. Je veux vous remercier de m'avoir demandé de bénir vos animaux. J'attendais ce jour avec joie. Vous savez, les animaux de la terre sont aimés de notre Seigneur tout particulièrement. Ils nous aident à travailler, ils nous transportent, gardent nos maisons la nuit, et mieux que tout, nous apportent la joie et les rires.
Il ne faut jamais oublier le rire, même quand vous serez devenus de grands enfants comme moi. Bon, je vais les bénir et retourner à mes tâches. Seigneur, je vous demande votre bénédiction pour ces animaux et pour leur jeune maître. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Au revoir mes enfants et merci d'être venus. Au revoir mon père. Au revoir. 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 Bonjour. Merci. Pour vous. Aidez-nous. Aidez-nous pour l'amour de Dieu. Voilà pour toi. Faut pas pleurer. C'est pour vous. Merci. Dieu vous donne foi et espoir. Mon frère. Dieu vous donne la paix, cher frère. Paix. Nous les lépreux n'avons que puanteur et pauvreté. Je prierai pour vous. Mais pas besoin de prière. Qu'on me débarrasse de ma puanteur. Où est-ce que vous m'emmenez? Je vais vous laver. Vous rendre pur. Comment se fait-il qu'on arrache les fleurs? On déblaye ce lopin de terre. L'ordre a été donné par Frère Élie, votre remplaçant. Et quelle raison a-t-il donné? La communauté s'accroît et il faut plus de terrain pour les légumes. Il estime que nous devons sacrifier nos fleurs. Laissez donc les fleurs. Nous les replanterons. Il faut que je rappelle à Frère Élie que l'homme ne vit pas que de pain. Je sais qu'il est mal de colporter des médisances sur son prochain. J'en connais dans ton ordre qui changerait le mode de vie que tu as instauré pour savourer les joies de ce monde. Ne juge pas, ma sœur, ou tu seras jugée. Moi aussi, j'aime savourer les joies de ce monde. N'oublie pas ces sandales dont tu m'as fait cadeau. Tu as à parcourir de très durs chemins. Mais pour moi, tu te trompais tout à fait. Ah, en quoi trouves-tu que je me trompais? Tu as dit que mon chemin serait semé de ronces. Mais j'ai trouvé la joie à chaque pas que j'ai fait. C'est là une erreur dont je me réjouis. En un temps si bref, ta communauté s'est multipliée par 10. Tu donnes un si parfait exemple. C'est exact, parfait. Oh, loin de la perfection. S'il ne vous vient pas quelques petites faiblesses, sœur Claire, vous deviendrez sûrement une sainte. Frère François, il faut rentrer au plus vite. Tous les moines venus en visite vont être réunis et vont se demander où vous êtes passé. C'est la grande assemblée aujourd'hui. Au revoir, ma sœur. Au revoir. Allez, viens, pécheresse. Le cardinal est là, le cardinal. Quelle magnifique assemblée. Combien de moines y a-t-il ici? 2000 environ. Je me souviens parfaitement du jour où il n'était que 12. Exactement 12. J'ai reçu votre message, frère Élie. Il ne me plaît guère. Mais il dit vrai. Oui, vous avez la raison pour vous. Mais cela ressemblait à une conspiration. Éminence, vous ne pouvez aller au conseil ainsi. Dieu a fait mes pieds. Je suis certain qu'il préférera me voir débarrassé de la douleur que préoccupé d'un para. Le cardinal Hugolin. Soyez béni, mon fils. Votre pied? Oui, mon pied est furieux contre son soulier qui l'a blessé. Apportez de l'eau, je vous prie, frère Genièvre. Laissez-moi vous aider. Merci. Frère Thomas, frère Guido, frère Jean, que Dieu vous bénisse tous. Oh. Genièvre. Merci. Vous n'avez pas changé, mon fils. Aurais-je dû changer?
Pouvoir et haute situation peuvent faire oublier notre vraie nature. Je ne cherche pas le pouvoir. Non, mais d'autres pourraient. Éminence, il y a 2 ans, j'ai demandé la permission de partir avec quelques frères pour une croisade. Vous m'aviez interdit de quitter l'Italie. C'est exact. Nous avions grand besoin de vous. Depuis, 5 de ces frères sont devenus martyrs de la foi. Je ne puis plus longtemps leur demander d'affronter des périls que je semble éviter. Aussi, je vous le redemande. Permettez-moi de partir en croisade vers la Terre Sainte. Et enfin, qu'espérez-vous accomplir là-bas? La paix. Je parlerai au sultan. Mais qu'adviendra-t-il de votre ordre ici? Avec une telle masse de fidèles, vous ne pouvez nous laisser sans abri ni nourriture. Le temps est venu non de rebâtir des églises, mais de bâtir la nôtre. Et cela, nous pouvons le faire, si le cardinal nous le permet, bien sûr. Il peut y avoir du vrai dans ce que dit frère Élie. Ce qui suffisait à vous et 11 fidèles peut ne pas suffire à 2000. Votre ordre doit avoir les moyens de loger, vêtir et nourrir ses membres. Le Seigneur prendra soin de tous les siens. Mais regardez, aujourd'hui, plus de 2000 personnes sont assemblées ici. Nous savons que Dieu en a nourri 5000 avec quelques pains et quelques poissons. Mais prétendez-vous pouvoir en faire de même avec cette assemblée? Non. Non, je ne puis faire cela. Mais je crois que notre Seigneur le peut, comme il le fit alors. Excusez-moi, Éminence, l'assemblée attend votre bénédiction. Oh. Restez pas trop longtemps. Sa sainteté est gravement malade. Elle est ici malgré les ordres de ses médecins. François, mon fils, ainsi vous êtes déterminé à prêcher le Christ aux Sarrasins? Si j'ai votre bénédiction, tel est mon devoir. Jérusalem, comment peuvent-ils nous l'interdire? Partout le sang coule, là où le Christ a marché. Ces carnages doivent finir, François. Moi, le vicaire du Christ, je devrais y aller, mais je puis à peine marcher. J'irai à votre place avec votre bénédiction. Je ne pourrais souhaiter meilleur émissaire. J'ai dit un jour que je vous confierais de plus hautes tâches. Il ne peut y avoir plus haute tâche que celle d'apporter la paix en ce monde. Aussi, allez, mon fils. Et que Dieu soit avec vous. Être sorcier. Viens, chrétien. Nous l'avons trouvé dans le désert.
à genoux. Si cet homme n'est pas fou, c'est un espion. Voici une pièce d'or. Et va dire à Ali de le tuer sur le champ. Amène-le. Allez. Je ne suis l'ennemi d'aucun homme. Le dieu de l'amour m'a envoyé te parler, roi de l'Orient. On me dit que tu parles aux animaux et qu'ils comprennent tes paroles. Si cela est, c'est parce que je les aime comme j'aime toutes les créatures de Dieu. Tu nous aimes aussi, tes ennemis? Oui, certes. Ce dieu dont tu parles, pourquoi t'as-t-il envoyé me voir? Pour atteindre ton cœur. Non avec le glaive, mais avec son amour. L'amour qui est dans mon cœur. Oh, que d'amour! Cherches-tu à te rendre avec tes armées? Ces armées ne sont pas à moi. Je ne demande que la paix. Comment faire la paix si vous ne vous rendez pas? Si tu embrassais la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix ne pourrait que suivre. Je n'ai pas appris ton langage pour entendre ces insultes. Cherches-tu à mourir? Je suis prêt à mourir pour la paix. Tu auras la mort d'un brave, mais tu n'es pas raisonnable. Tu veux que je glorifie ton Christ, mais je te réponds, toi viens à Mahomet. Tu embrasseras la foi du grand prophète de Dieu. Là aussi réside la paix. Ordonne à tes serviteurs d'allumer un grand feu. Laisse-moi avec tes prêtres entrer dans les flammes. Ainsi Dieu pourrait nous montrer de quel côté est la foi la plus forte. Mes prêtres ne semblent pas désireux de se soumettre à ton épreuve. Cependant, je vais veiller à ce qu'ils relèvent ton audacieux défi. Faites dresser un bûcher devant la tente. Allah, je t'en supplie, ne me sacrifie pas à la folie de cet homme. Allah a été mal servi aujourd'hui. Mais la peur de quelques prêtres ne suffit pas à prouver que tu as raison. Alors je vais entrer dans le feu tout seul. Tu n'as donc aucune crainte? Je ne crains que mes péchés. Car si je devais périr, ce ne serait que par leur faute. Mais si Dieu me protège, tu devras admettre que sa puissance et sa miséricorde sont très grandes. Je l'admettrai. Alors tu vas promettre en ton nom et en celui de ton peuple que si je sors sain et sauf de ce bûcher en flammes, tu embrasseras la foi de mon Dieu. Qu'est-ce qui peut te donner un tel courage? Ta foi ou l'aveuglement? Ma foi en l'amour de Dieu. Est-ce le grand amour de ton Dieu qui pousse les chrétiens à combattre, à tuer, à piller et à détruire? Mérite-t-il un sacrifice comme le tien? Si l'homme était plus parfait, il aurait moins besoin de compassion. Dieu n'est pas dans le glaive, ni dans le fait de prendre la vie, mais de donner la vie. Car Dieu est amour. Que le Seigneur m'accompagne. Arrête! Ne te sacrifie pas. Retourne à ton peuple en toute sécurité et dis aux chrétiens que s'ils étaient tous comme toi, je n'hésiterais pas à m'agenouiller devant ton Dieu. Et si ton peuple continue à s'engager sur le chemin de la haine, alors les guerres succéderont aux guerres et nous deviendrons les destructeurs du monde. Seul Allah, c'est lequel de nous a raison. Je veillerai à ce que tu voyages sain et sauf jusqu'à la ville de ton Christ, Jérusalem. Reste-y en paix. Tu n'as pas fait un chrétien aujourd'hui, mais tu t'es fait un vrai ami. C'est là le premier pas. La paix soit sur toi. Damiette. La place fortifiée la plus solide de l'Égypte. La plus riche aussi, dit-on. Et le pillage à lui seul justifie la bataille. Allez, allez.
par pitié. De l'eau. De l'eau. Pitié. À boire. De l'eau. La guerre sainte a-t-elle permis aux saints frères de voir ce qu'est véritablement la vie? Paolo. As-tu fait tout ce chemin pour aider l'ennemi? Vis-tu toujours dans un rêve? Si tu aides cet homme aujourd'hui, demain il te tuera. Il aura au moins connu la charité chrétienne. Ne me fais pas de prêche. Aveugle, malade, ne peux-tu voir le monde tel qu'il est vraiment? Regarde-le, touche-le, flaire-le, là est la vérité. Tu ne convertiras personne ici. Ces hommes trouvent tout ce qu'ils veulent dans la victoire et dans les fruits de la victoire. Si c'est cela la victoire, béni soit la défaite. Je prie pour le pardon de ce que les chrétiens ont fait au nom de Dieu. Tu crois à l'amour, François? Eh bien, moi aussi. Alors, si tu te joignais à moi en aimant l'ennemi, une belle Nubienne à peau des veines, une beauté couleur safran venue d'Extrême-Orient, hein? Te moquerais-tu de moi, petit saint? Rien ne peut justifier ceci. C'est tuer pour le plaisir de tuer, Paolo. Est-ce que tu me jugerais? Es-tu le nouveau Christ? Quelle grande œuvre as-tu faite? Qu'as-tu donc accompli? Les hommes se rient de toi. Tu as tenté de convertir le sultan. Tu as tenté de prêcher aux sarrasins. Tu as même tenté de prêcher l'amour à nos croisés. Ton saint amour a-t-il mis fin à la guerre? Non. Tu as échoué. Admets-le. Est-ce que tu crois à l'humilité? Eh bien, bois ça et sois vraiment humble. Bois ça et admets que la chair est la chair. J'ai dit bois! Ne chemine plus autour de la terre en singeant le Saint-Esprit. Pour qui donc te prends-tu? Pour Dieu! Dieu soit loué, je vous retrouve. Genièvre, que faites-vous ici? Qui vous envoie? Personne, Père François. Je suis venu sans permission. Je vous cherche depuis des mois. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Il doit y avoir de graves raisons. Ils vous ont trahi, Père François. Trahi? Ils essaient d'établir un nouvel ordre. Ils veulent changer votre règle. Élie, le cardinal Hugolin. Est-ce cela que ta foi et ton amour te valent? Pauvre fou, j'ai pitié de toi. Nous irons dans le désert, Genièvre, pour prier. Que Dieu te donne la paix, Paolo. Si ces imbéciles vont dans le désert maintenant, ils laisseront leur peau. Bois ça, Seigneur. François, Dieu soit loué, vous êtes vivant. On nous avait dit que vous étiez prisonnier du sultan et que vous aviez souffert le martyr. Le père François. Soyez le bienvenu, Père François. Mais que célèbre-t-il? Pourquoi ce festin? Notre mode de vie a un peu changé. C'est là notre pain quotidien. Dites à frère Élie que je veux lui parler. Il est très occupé à la bibliothèque. Bibliothèque? Oui, la chapelle a été transformée en bibliothèque. Dites-lui que je suis là. Je suis désolé, François. Il a donné l'ordre de ne pas être dérangé par qui que ce soit. J'y vais. François, soyez le bienvenu. Des livres?
calice d'or dans la maison de la pauvreté? Qui a accepté tout ça? Moi. Vous? Mais j'avais confié l'ordre à frère Catanei. Le frère Catanei est mort. Il est mort alors que vous étiez en Terre Sainte. Asseyez-vous, Père François, vous êtes épuisé. Dans votre siège, je vous prie. Non. Non, ce siège n'est plus le mien. Mais François, vous êtes toujours pour nous le guide spirituel? Personne ne mettra jamais cela en doute. Il faut que vous compreniez qu'après votre départ pour votre mission, j'ai trouvé bien des frictions, bien des mécontentements dans l'ordre. Certains frères pensaient qu'ils supportaient inutilement une vie pénible. D'autres pensaient que mendier n'était plus un moyen suffisant pour faire vivre un ordre en pleine croissance. Et vous, que pensiez-vous personnellement? Je pensais, de même que le cardinal, que nous pourrions faire meilleure œuvre en vivant pour nous-mêmes, sans dépendre de personne. Ce qui, évidemment, nous oblige à avoir des biens. Non. C'est par l'exemple que nous devons vivre. Il n'est pas d'autre voie. Par l'exemple. L'ordre s'est répandu sur toute l'Europe. Une aussi vaste organisation peut-elle être gouvernée par votre exemple? Oui, par le mien. Par le vôtre. Par celui du Christ. Par la règle, notre règle de ne rien posséder, nul bien terrestre. Mais sans propriété ni pouvoir, l'ordre ne peut exister. La règle a été révisée par le pape, le cardinal Hugolin, les frères et moi-même. J'avais l'espoir que vous entendriez raison. J'ai écouté la raison. Et je la trouve aussi déplacée que ces gobelets d'argent et ces calices d'or. Pardonnez-moi, Élie, mais il n'en eût pas été ainsi si ma foi avait été moins faible. Pardonnez-moi. François, croyez-moi, beaucoup de ceci n'est destiné qu'à vous soulager des soucis quotidiens, des fardeaux administratifs. Acceptez de lire la nouvelle règle. Lisez-la. L'esprit reste le même, quoique son interprétation doive être en accord avec notre nombre. Je regrette, mais mes yeux refusent de lire cette règle. Alors faites-moi confiance et signez. Je me fie au Seigneur. Et notre Seigneur lui-même a dicté notre règle. C'est pourquoi il faut lui obéir à la lettre, sans nulle interprétation. Sans nulle interprétation. Cette règle entrera en vigueur avec ou sans votre signature. Il y aura moins de discussions, moins de heurts, si vous l'approuvez de votre plein gré. Une plume. Les paroles de l'Évangile. Comment avez-vous pu changer les paroles du Christ? Sans nulle interprétation. Sans changement. Qui est là? Sœur Claire. Sœur Claire. Je m'inquiétais tant de toi. Je voulais venir depuis longtemps, mais semaine après semaine, nous avons attendu que tu descendes de la montagne jusqu'à nous. Dois-tu vivre dans une telle solitude, dans une grotte aussi sombre? Je ne suis jamais seul. Parfois, dans l'obscurité, je vois la lumière briller plus que le soleil. Je t'apporte quelques fruits. Merci de ton intention, ma sœur, mais j'observe le jeûne. Ta vie entière ne fut que la célébration du renoncement. Ce ne sont que quelques murs que Dieu m'a donnés en cours de chemin. Eh bien, je ne voudrais pas me montrer ingrat envers Dieu ou envers toi. J'ai aussi apporté ce baume pour tes yeux. Depuis que j'ai réécrit la règle d'Élie et me suis retiré dans cette grotte, je n'ai guère besoin d'y voir. Mais j'ai de pauvres yeux pour lire la parole de Dieu. Ma sœur, veux-tu approcher? Qu'y a-t-il décrit ici? Et ils prirent une lance et lui en percèrent le flanc. La passion. Toujours la passion maintenant. Et cependant, le Seigneur ne m'a même pas tenu pour digne du martyre. Je dois donc vieillir et connaître le goût de l'échec. Tu sais, cette nuit, dans le silence, sans sommeil, je pouvais voir la lune dans toute sa simplicité. Et la voix s'est fait entendre et m'a parlé tout bas. Et c'était celle du diable. Tu as échoué, disait-il. Qu'as-tu à montrer si ce n'est qu'un troupeau dispersé, une règle bafouée? Mieux eût valu pour toi que tu deviennes père de famille et que tu vendes du drap. Oui, François, c'était le diable.
Tu as répandu la sainteté à travers le monde. Ta joie viendra assurément. Mais ai-je accompli tout ce qu'il m'était ordonné de faire? Ai-je eu tort de m'imaginer que le Seigneur s'adressait à moi? Dois-je apporter le réconfort maintenant à l'homme qui fut l'unique réconfort de toute ma vie? Oh, voici le soleil. Je vois ses rayons illuminer toute la montagne. Là-haut, les petits cyprès ont tous l'air d'être les anges du paradis qui s'avancent en armure d'argent. C'est ainsi que je l'ai vu. Regarde. Vois-tu le soleil sur les collines? Non. Et les nuages qui ressemblent de loin à des troupeaux de petits moutons blancs, tu les vois? Non, mais je garde l'image du soleil. Et je vois la croix dressée dans le ciel. C'est le moment pour moi de prier. Je t'en prie, laisse-moi bien aimer, sœur Claire. Laisse-moi à ce soleil, à cette croix et à lui. Que Dieu te donne la paix, François. Père qui êtes aux cieux, pardonnez à l'homme qui aspire à vos souffrances et demande une grâce qu'il n'a pas méritée. Abaissez-moi, afin que mes frères puissent s'élever. Punissez-moi, afin que puissent s'élever les hommes, ne fût-ce que de très peu, par vos stigmates sur moi. Seigneur, rappelez-moi bientôt en votre sein. Et d'une voix forte, il cria, « mon père, pourquoi m'avoir abandonné? Mon désespoir n'est pas digne d'être vu à la lumière de votre grande agonie. Je vous aime. J'aime votre ciel, votre gloire. Comte de Vandria, c'est une joie de vous revoir. Merci. Asseyez-vous. Vous désiriez me parler du père François? Oui. Il est à la Portioncule, l'église qu'il a rebâtie. Ah, tant mieux. Ainsi donc, il est toujours en vie. Je craignais que ses échecs subis en Terre Sainte l'aient brisé. Il fut gravement malade, mais il n'a plus le sentiment d'avoir échoué. Non, c'est moi qui ai échoué. J'ai gagné des honneurs par l'épée et des biens par la puissance. Pendant toutes ces années, j'ai poursuivi un fantôme. Je trouve maintenant que la vie est vide et dépourvue de joie. Ma révérende mère, que doit faire un homme qui n'est pas né pour devenir moine? J'ai haï François quand je me suis imaginé qu'il me volait la seule femme que j'aimais. Je lui ai alors fait grand mal. C'est pour ça que je suis venu, pour lui demander son pardon. L'amour véritable porte déjà le pardon en lui.
Ses souffrances se font payer maintenant. Il est mourant, Paolo. Il est mourant. Allez à lui. Qu'y a-t-il, Père François? Où est frère Ange? Le poème que j'avais écrit pour les frères, le poème sur le soleil et les créatures de la terre. Je vous en prie, chantez-le-moi. Pour toi, puissant bon Seigneur, pour toutes tes bontés, je vous en prie, je sais qu'il voudra me voir. Paolo. Paolo. Approche. Prends ma main. François. Ne peux-tu me voir? Je te vois avec les yeux de l'esprit, tel que je te vis le premier jour, il y a longtemps, quand tu es venu dans la boutique de mon père. Comme je rêvais alors d'être comme toi, le grand, le preux chevalier. Cette main a dispensé tellement de bienfaits. La mienne a fait tant de mal. Le peu de bien qu'il m'a été donné de faire n'aura de vraie valeur que s'il apprend aux hommes à vivre en paix. Me pardonneras-tu? Puisse Dieu te montrer ta voie. Genièvre. Mon pauvre sot de frère Genièvre, qui verse de sottes larmes, quand nous devrions tous nous réjouir en Dieu. Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures, et spécialement, messire, frère, soleil, par qui tu fais le jour et nous éclaires. Loué sois-tu, Seigneur, pour ceux qui, par amour de toi, pardonnent, qui supportent tant d'afflictions et de peines. Bénie soit leur résignation, car par toi, très haut, ils seront couronnés. Descendez-moi de ce grabat et posez-moi sur le sol. Je veux me présenter devant Dieu comme le piètre mendiant que j'ai été. Thank you.
Adieu, mon maître bien-aimé, mon guide. Le plus pauvre, le plus humble, le plus riche de tous. Ah, pas que c'est pas nous. Un jour, tu te crus appelé à bâtir des églises de mortier et de pierre. Mais tu as bâti des chapelles dans le cœur de millions d'hommes et de femmes partout dans le monde.